Salut à tous, c'est Zugi, et voilà, 1er mai 2018. Et aujourd'hui, je vais faire un jeu Mega Drive, la console que je kiffe, la Dreamcast, c'est la GameCube. Mais voilà, un jeu Mega Drive que j'ai jamais testé. Franchement, je l'ai vu partout, je l'ai entendu parler partout, c'est pas un jeu pas connu. Parce que moi, je l'ai connu en tout cas, mais j'ai jamais testé. Et c'est Kid Chameleon, voilà. Et en fait, Kid Chameleon, si j'ai bien compris, ça se passe dans un jeu qui s'appelle Wildside. Hein, donc, il y a une bande d'arcade, un Kid Chameleon qui s'appelle Wildside. Voilà. Et nous, on est ce personnage-là, le héros du jeu, en fait. Et c'est tellement réel avec des hologrammes et tout machin qui fait que. Le méchant du jeu capture carrément les joueurs. Donc nous apparemment on va essayer de les délivrer, ou en tout cas de péter la gueule à Skull machin, Skull Kid, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est... Je sais plus comment il s'appelle le méchant, mais bon voilà. Je sais que c'est un jeu de plateforme. Il paraîtrait que c'est assez compliqué, donc vu que c'est compliqué, vous me connaissez bien avec mes 4 minutes de Zugi, normalement au bout de 10 minutes, game over, hein, voilà. Enfin 10 minutes, 1 minute ouais. Mais voilà, donc Kid Chameleon, un jeu de plateforme qui a l'air excellent, un peu chaud. J'en ai entendu du bien un peu partout. Bon, bah on va tester ça. Donc du coup, let's go for Kid Chameleon. There was a new machine in the arcade that one could wake into and to play. It used holograms to create a reality not known. Oui. Bah mais c'est parti hein. Kid Chameleon 92, Sega. D'abord, ben, option hein. Oh, il fait flipper lui, hein, putain! Alors, A, speed, B, jump, et C, spécial. Ok. Ok. Allez, c'est parti! Avec les bois qui font peur! Blue Lakes Wood 1. Alors, c'est un jeu. J'ai jamais joué à ce jeu. J'ai entendu parler, hein, je sais qu'il est excellent. Mais j'ai jamais joué à ce jeu, voilà. Et là déjà graphiquement, wow ça va, c'est sympa avec les reflets sur l'eau qui bougent, non ça va, j'aime bien. Ah. Faut prendre de l'élan. Ah il faut prendre de l'élan carrément. D'accord. Ok. Chevalier Man. Yeah. Je sais plus sur C. Non, sur C, il n'y a rien spécial. Hein. D'accord. Bon, on verra plus tard alors. Attends. Par contre, vous voyez comme il fait quand il monte et comme il descend, les animations. Franchement, ça, je trouve ça, c'est un détail, mais c'est de la bombe. Voilà, plus de dragon. Ok. Non, j'aime bien, c'est pas mal. Alors, attends. Voilà. Ah. Oh putain, oh là là. Ah, on peut péter le... Ah, on peut péter aussi en sautant dessus. D'accord. D'accord. Alors, ta. Ah. Quand je m'approche du truc... Et que j'appuie sur C, le spécial donc, sans rien bouger, juste le C, il s'accroche, vous voyez. Il faut que j'appuie plein de fois sur C pour qu'il monte. Ok, d'accord. Ouais, j'en ai 4. Je pense que c'est la vie ça. On peut le péter ça? Non. Ah. Fin du niveau. Ouais, pas mal, c'est rigolo. Blue Lakes Wood 2. Oh. Samurai Man. Voilà, et là le pouvoir c'est... Enfin le C c'est ça, ok. Oh, mais c'est excellent. Ok. À mon avis, c'est pas... voilà. Ouais. Ah, j'ai 3 vies en haut, ok, on le voit là. Ils sont dégueulasses les monstres. Oh là là, je me casse. Vite, non. Voilà. Je veux pas faire trop long cette vidéo, mais franchement, j'aime bien. Et quand je fais pour là, en vrai. En vrai, comment tu peux faire? On va faire la DuckTales? Non. Aucune idée.
Allez, par contre, je joue à la vraie manette de Mega Drive et j'avoue que les sticks là, enfin le stick, la croix directionnelle, là, en mode un peu rond là, c'est horrible. Hein. Je sais pas comment on faisait à l'époque en vrai. Hein. Putain, les boutons ça passe, les 6 boutons ça passe. Mais la croix là, oh là là. Téléportation. Ah. Ouh. Ah, on revient là. Oh putain. Ramasse des rubis. Des diamants. Ok. Oula. Non, mais non, il y a des pics maintenant qui te sortent de... Bah, sans déconner. J'ai plus de vie, il me reste une vie, il me reste une vie. Ah bah c'est bon, on a 5 vies en fait du coup. D'accord, bon ça va, ça passe. Il faut sauter normalement, il faut prendre de l'élan. Ouais. Allez, samouraï là, please. Attends, si j'appuie sur C... Non. Putain, mec. Ah ouais, pas de samouraï, carrément. Hein. Pas grave. Ah, maintenant c'est I World Pass, number one. J'aime bien, il y a plusieurs costumes différents, et j'aime bien. Faut bien sûr start, c'est vrai. C'est quoi le pouvoir là? C'est quoi le pouvoir? Maintenant c'est rubis bleu. Fait péter le pouvoir magique. Ok, le pouvoir du temps. Ah! Mais c'est excellent! Mais c'est excellent! Ah oui, le mec c'est... Tu passes derrière le truc et tout. Ah franchement pour le Mega Drive ça tue. Hein. Même le son il est vraiment très bon. Hein. Il s'accroche ou pas ce camp? Comment? Que... Bah là je crois qu'on est... Ok, je sais pas comment j'ai fait en fait, mais... J'ai pas vu lui. Putain. Ah oui, il y a du temps, donc là tu récupères du temps, ok. Ah, lui c'est pour monter en fait, du coup. Ok, lui c'est pour monter. Ok, d'accord, j'ai compris, ça y est. Et là c'est pour péter les... D'accord, ok. Putain, mais... Ah ouais, ok. Mais franchement, pas mal, les gars. Hein. Boing, boing, boing. Pas mal, ça aussi. Ouais, ok, j'ai compris pourquoi. Et là, on reprend les rhinocornes. Voilà. Après, on va évoluer. Allez, c'est parti. Ici, non, qu'est-ce que tu fais? Ah ah, eh oui, tu le savais que c'était magique. Ah, même en haut? Ah ouais. J'espère que la vidéo ne nous fait pas vomir hein, à force de sauter, sans déconner. Mec, regarde la vidéo et du coup, bleh. Alors attends. Non. Ouh. Ok. Donc
quand même, là, c'est Highway Lake 2, je pense. Attention. Ouais, c'est ça, voilà. Highway Pass 2. Donc, il y a deux actes par niveau, ok. Oula, qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il veut? Mais, mec, mais lâche-moi! Et là il y a le pouvoir magique pour grimper. Ah non. Par contre il saute haut le samouraï par contre. Oula. Ouf. Il était caché ce. Faut aller où? Ouf, oh putain. Mode. Mais c'est excellent. Ok, reviens là. Ouh là là, oui. Oh. Voilà, on fout. J'ai fini. Ah, Underskull Mountain 1. Ça va vite quand même, hein. Pas trop compliqué, mais sympa. C'est, j'aime bien. Plein de pouvoirs différents et tout en plus. Ouh là là, je comprends pas le niveau là. C'est qui lui? Ah ouais, la tête horrible. Ok, il est moche. Tu es bien dégueulasse. Tu es bien dégueulasse, sincèrement. Ah, crève. Non, c'est pas une porte là, non. Ok, ok. Alors attends, oh putain. Là, c'est vraiment plateforme là. Mais vas-y! Bon. Ouais. Il faut aller où là après? Putain, il fallait passer à travers, mais le mec! Ouais, bon, hein. Non, les pics! Ouais, et comment je le sais, ça, qu'il y a les pics en bas? Voilà. Non! Ah ah! Ouais. Oh là là, je me casse, oui! Je sais pas comment tu fais, il faut rester appuyé, il faut rester. Ok. Ah. Mais voilà. J'ai crevé. Je sais pas pourquoi, mais j'ai crevé. Mais il faut appuyer sur. Ah, c'est vrai. Non mais... Ah. Ça récupère pas la vie cette merde quand on reprend un pouvoir qu'on a déjà. Je sais pas, c'est bizarre un peu le jeu. Non, c'est pas là que je voulais aller. Bon attends. Voilà.
Ben oui, mais il y a les pics. Ah ben il fallait juste aller là. D'accord. Par contre, c'est bien qu'après on arrive là et que ça met un graphisme comme ça. J'aime bien. Underskull Mountain 2. C'est parti. Oh, c'est... Oh putain, what is it? Ça c'est beau ça. Ouais ben... Obligé de crever. D'accord, tu peux pas tomber. D'accord. Ok, j'ai compris. Ah ah! Je suis mort pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Je comprends pas le jeu! Ah! Je vais dire putain, jamais. Voilà. Flamiche, on se casse. Ah, attention Flamiche et Ruby. On dirait un joyau qu'il faut activer dans les jeux, ça. Ok, ils se cognent pas entre eux. Oh putain. Non mais c'est vrai que j'ai encore deux vies quand je suis en mode normal comme ça. C'est pas faux. Bon, les derniers niveaux. Hein, voilà. À la fin du Underskull Mountain 3. Bah après on arrête. Mais pas mal déjà, hein. 15 minutes, j'ai pas mal avancé. Pas mal de pouvoirs différents, pas mal de niveaux différents. Non, franchement, énormissime. Il y a dragon dégueulasse qui vole. Ok. Oh, lui j'aime bien lui. Lui il est bon lui. Comme ça en fait, au lieu d'attendre je sais pas quoi là. Putain hein. Ok, il y a Mister Flamme. Oulala. Non. Ouais, ben... Voilà. Bon, alors tac, non, tac, non, tac, 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 putain, mais qu'est-ce que tu fais là, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. On va y arriver, tu crois, ou... Voilà, hein, putain. Ah oui, bah oui, bah oui, Mister Flamme. Alors. Voilà. 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 J'ai un Pokémon Snap, ça les connaît. Voilà. Alors c'est deux, voilà. Je sais plus, mais voilà. Allez. Voilà, bien joué, bien joué, bien joué. Attention. Voilà. Attention, attention, attention. Voilà, oui. Ah, il y avait un truc en bas, mais je m'en fous, j'y vais pas, c'est bon. C'est un téléporteur, non, qui avait en bas le truc. Ouais, ok. Mais je m'en cogne complet, Fada. Je vais juste finir le niveau. Non! Bah, sur le début, j'arrête, hein, c'est bon. Bon, ben voilà. Ouais, ouais, jeu de fou. Ça aussi, jeu de fou. Enfin, jeu de fou. En même temps, le mec, la dernière vie qu'il perd, le gars, il glisse, il tombe. Déjà, bon, hein, voilà, c'est, tu vois déjà le personnage, quoi. Non, mais voilà, franchement, pas mal. J'aime bien parce que ces plateformes, pour moi, ça fait un peu penser à casse-tête. Parce que tu peux te transformer, déjà, dès que t'as les transformations, moi, je kiffe. Il y a plusieurs transformations, ils font plusieurs pouvoirs, et tu vois tu peux sauter, machin, je trouve que c'est un peu casse-tête, un peu puzzle, je sais pas, j'aime bien, en tout cas j'aime bien. Et oui, en fait c'est bien ça, voilà, on est dans le jeu World Game, et tous les joueurs qui ont perdu face au boss de fin, quoi, ben, ils se font capturer dans la vraie vie. Voilà, c'est un jeu qui est un peu trop réel, quoi, c'est... Non, franchement pas mal l'histoire, j'aime bien.
change de décor, encore une fois transformation je kiffe, et rien qu'au début du jeu quand je cours il faut prendre de l'élan pour aller plus haut, ça c'est excellent, c'est un détail à la con, mais c'est bien fait, franchement j'aime bien. Donc voilà, Kid Caméléon, bonne idée, bon jeu, vraiment pas mal du tout, graphiquement ça passe. Après bon voilà, pour l'instant le coup de cœur c'est Little Samson en Samson, voilà, franchement je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai faite, mais putain ça c'était au-dessus, ça c'est le summum quoi tu vois. Mais là, pas mal non plus, voilà, Kid Caméléon franchement excellentissime. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que le jeu vous aura plu, et rendez-vous là dans 15 jours, le 15 mai, pour un autre jeu, voilà. Allez, à la prochaine.